t'es fâché. Oh, il dit que tu es gonflé. Voici 5 raisons qui montrent que José et Seridi ne vont pas durer ensemble. Numéro 5, elle est Tisa. Elle est sortie avec Seridi, sachant très bien qu'il était en couple. Sur 15 ans de relation de Seridi et Aline, elle était avec lui pendant 8 ans. C'est quoi une Tisa? C'est une go qui sort avec le dieu d'une autre comme elle, sans scrupules, sans état d'âme. Son objectif principal, c'est de se faire un maximum de pactoles sur le dos du dieu. Des fois, c'est par jalousie. De l'autre, des fois, c'est par mauvaise foi, tout simplement. Ceci dit, il y a toujours un retour. Ne l'oubliez jamais. Numéro 4, tout le peuple est contre cette relation. Et oui, pour une fois, des gens se sont levés en nombre incalculable pour apporter un soutien indéfectible à la femme au foyer. On dirait une première dans l'histoire. Ne vous étonnez pas, le truc c'est que d'habitude, c'est plutôt le contraire. Donc comprenez cette effervescence. De ce fait, il y a une multitude d'influenceurs qui ont décidé de prendre leur plume buccale et de non seulement dénoncer, mais aussi également de supporter sans hésitation aucune Aline qui, jusqu'ici, est encore la femme officielle de Seridi. Aucune compassion d'Aline, point. José, débrouille-toi. Débrouille-toi. Les sponsors t'ont abandonné. Débrouille-toi. On t'invite pas dans le spectacle. Débrouille-toi. Oui, tu as préféré prendre le mari des gens au lieu de te concentrer sur ton travail. Tu as préféré prendre le mari des gens au lieu de rester sereine sur ta carrière. Tu as préféré prendre le mari des gens au lieu de construire toi-même ton propre avenir. Maintenant que ta carrière est en train de se bousiller, tu demandes à Aline d'être compatissante vis-à-vis de toi pour venir te soutenir en ayant pris son mari. Numéro 3, la pression va la pousser à l'abandon. La go va tellement su tirer bière, la pré-tiration, qu'elle-même va tout lâcher. Le peuple, la famille, dans la rue, il y aura toujours des préjugés vis-à-vis de la go, qu'à un moment donné, elle ne fera plus de sortie et préférera rester cloîtrée dans une pré-tiraison dorée. Ouh là là, la vie. Numéro 2, avec le temps, Seridi sera dépourvu de moyens financiers pour continuer à gérer le style de vie de la star que mérite Josie. Il ne va plus se sentir capable en tant que duo d'assurer, il va tout lâcher. Déjà, c'est sorti de la bouche de ce dernier que Sabo ne reçoit plus de sponsors, encore moins de farotements, de moins en moins de concerts ne se font, et viendra l'escatirer tombe. Il est ruiné, l'argent peut-être qu'il a pu transférer de la Suisse en Côte d'Ivoire, il peut dépenser ça comme il veut, mais partout, tous les comptes bancaires qui seront à son nom, elle va verrouiller ça et elle va prendre 98% de tout ce qui est dedans. Et il n'aura rien. Et quand il n'aura rien, je ne crois pas que lui, son mariage avec José va durer plus de deux ans. Ça ne durera pas plus de deux ans. Et José va le larguer. Donc, elle est en position de force. Donc, si vous voyez que la fille ne parle pas, je suis sûr qu'elle ne parle pas, pas parce qu'elle ne sait pas parler. Non, Aline parle trop. Bintou parle trop. Mais Bintou, ses conseillers lui ont dit, ne parle pas en ce moment. Et voilà ce qui se passe. Comme lui n'est pas intelligent, comme c'est un idiot. Quand cela va arriver, les hommes d'affaires riches auront la piste libre. Ils vont commencer à lancer des graines, serrer, dépourvu de moyens et de force, va devoir rendre les armettes. Numéro 1, il y a un adage qui dit que de la même manière qu'on monte au pouvoir, c'est aussi comme ça qu'on descend. Et oui, cet adage, qui est en d'autres termes le karma, marche presque toujours d'une manière ou d'une autre, et même d'une génération à une autre. Mais dans ce cas précis, Josie vivra ce qu'elle verra. À bon entendeur, je ne salue pas. Oui. C'est quoi ça là? Oh vraiment, attends.